L'iceberg de la mort. Vous le savez, le wipe du mois est l'aventure que tout le monde attend. C'est pour cela que l'on doit être irréprochable. Sauf que sur ce serveur, une erreur peut anéantir toute une progression et chambouler l'ensemble de ton aventure. Vous allez suivre notre avancée au fur et à mesure du wipe et vous verrez que niveau intensité, on va être servi. Il est 20h et le wipe, c'est maintenant. Là, ce que je fais, c'est que je finis de taper un petit peu de bois, je run au fishing, je prends un bateau et je run à la pause direct rejoindre mes mates. Ce sera le meilleur truc à faire. Faut quand même que je fasse gaffe à mes flèches et tout, moi. Il y a un hélico. Deux hélicos. I'm naked, bro. Why you kill me? Parfait. Je vais pouvoir me casser. Sur ce serveur, les hélicos spawnent sur les routes comme à l'ancienne. Et pour le start, c'est parfait. Étant donné que je ne suis pas encore groupé avec mes mates, je vais pouvoir les rejoindre extrêmement rapidement. Je passe juste avant au fishing pour recycler les quelques compos que j'avais farmés, et direction la neige à quelques mètres du dôme pour enfin retrouver mon équipe. En pierre, il était déjà là quand on arrivait. Non, c'est les gamers, ça. Il a sus. Moi, je pense que je vais aller en hélico sur le dôme avec quelqu'un et le reste en bas, hein, comme ça on prend les infos. Je crois qu'il y a des mecs, hein. Ouais, bah on va y aller avec eux, il a dit. Je pose le tissu dans la TC. Besoin. Il est bloqué, lui. Oh, j'en mets un petit peu pour me faire un petit peu. Actuellement, c'est un 911, il attendait ses mecs. Hein. Je pose du cuir aussi pour les mecs du dôme. Vas-y, dès que Raven est prêt les gars, je vais avec lui en hélico, il y en a 4 qui ont monté par le bas. Juste la T1 ici. Attends, la T1 je la pose... Bah tenez, je la... Quoi devant? Je la mets devant, non? Attends, d'avoir les orques. Pourquoi je peux poser T0? Ça te met quoi? C'est qui le chef du groupe? Non mais je suis à la T0. T'as pas cassé? Mais non mais... Ah t'avais quand même ça marche pas, gros. Hein? Il a pas fait les voies. Les gars, je pose un arc devant la T1. J'en ai un rab. C'est posé au sol. Merci. Un DB aussi Théo pour les clear en haut. Bah ouais du coup je vais pilote. Hein. Y'a plus de tissu là? Non, pas. Non, j'ai pas pu faire. Enfin j'ai pas fait. Ah ils avaient fait 75 arcs. Les mecs ils tapent du bois top 200. On a un peu plus de lolo, on a 29 dans l'hélico. Une fois regroupé, la mission est claire, prendre possession du dôme avant qu'il ne soit trop tard. Une team habite déjà à quelques mètres de chez nous, et tout se jouera sur ce premier move. À gauche, 200 les gens. 200. Derrière toi, Dark. On les joue en bas, les gars. Bâche le top là. Ça vient par derrière, faut le monde qui arrive depuis 300, les gars. Ils sont moins 4 ou 5 qui arrivent. Je reste en bas au DB moi. Azmat et tout qui arrive. On a le cap ou pas? Oui. Ah ouais.
Ok, on a le top, vas-y, bah on monte alors. Vas-y, moi je monte, je reste en bas. Ouais, ouais, montez, ouais, bah, montez. S'il y a 6 mecs, gros. Ouais, je peux les bidons de par contre, si en bas. Ils arrivent tous en bas, hein, ils sont 4 déjà du coup entre nous. Un peu plus même, je pense, on voit maintenant. Moi j'ai du Nailgun, je reste en bas. Dars. Oui, y'a un mec. C'est parti pendant la nuit. J'avais dit l'autre match comme attention, Swayzan, y'a un gars qui se passe, gros. Parfois, est-ce que vous gardez, y'a quelqu'un qui garde la montée? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Ah, mais non, y'a un mec sur moi, mec sur moi. C'est la machin, vas-y, je suis derrière toi, zéro, je suis toi. On est que les gens groupés là. Wesh, mais la SMI. Mais gros, il est trop smart ce chien. Mon team, go 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 go. About to get fucking red, mate. Friend Uranus. Friend Uranus. Oh, il peut le faire. Allô. Ah, non, ils ont tous sauté, gros. Yam, j'ai. Ah, je l'ai corrigé. Bah, je l'ai soumis là. Bon, le vocal, c'est un peu l'apocalypse. Notre organisation, loin d'être la meilleure, et c'est ce qui nous coûte le dôme. Gros problème désormais. On n'a plus de rats pour choper les compos, donc va vite falloir se restuff pour y retourner. On doit également s'occuper de la base, car vu l'équipe en face, le raid peut très vite arriver. Quelle pause back, s'il faut. Quelle pause que... en bas à gauche. Le phishing qui est en bas à gauche. Ah bah j'y suis. Ouais, je suis au bord de l'eau, c'est toi? T'as 2-2 Ah bah je suis dans un truc. Est-ce qu'il a pris lui? Dans le fichier avec le recycleur avec Ariz. Ariz était un bateau là. Ah mais je sais, moi si tu peux bug, je suis chaud. Ouais, vas-y, bah je vais me kill, je vais récupérer mon tissu, je vous bug. Petite meilleure Raven, moi, en ramassage d'œufs. T'as vu, gros? Oh, t'es où? Oh non. Oh, j'ai un panier. Il est tué à la boule là. Il regarde par terre. Hein. Ah, je l'aime bien l'idéal. Ouais, bon. Killer, s'il va, il est à la boule. On a le contrôle. Des lumières. Le farm avançait bien, notre base toujours en évolution, mais rien de fou. Nous n'avions toujours pas le dôme, donc aucun compo à la base. Et après 1h30 de wipe, ce qui devait arriver arriva. Je crois qu'on va se faire taper. No joke, il y a 10 mecs qui arrivent sur notre base. Ah et non, bien stuff. Si, si. Quelle direction? Direction ouest, si, si, on va se faire taper, gros. C'est sûr, ils ont le launcher dans le dos. Allez, tout ça, bon, sur toi. On arrête de troll, les stars, les stars. Ils sont 10 minimum. No joke, ça arrive. Vas-y, je prends un arc. On peut pas monter, on a pas un. Bah, ça y est. Faut monter. Ah, il y a deux rocket launchers. Ouais. Ils ont pas le top? Non, ils ont pas le top. C'est du luxe. Faut être utilisé sur toi. Ils sont en Negan, y'en a pas un Negan, frère. Par contre, fermez les portes. J'ai des rues. Boostez-moi, je vais jeter des rues, les gars. Boostez-moi au top là, n'importe un endroit. Ah, je suis mort. Faites des DB, y'en a plein en Negan, y'en a que 2-3 qui sont armés. S'ils arrivent pas à avoir Wiz. Il fallait m'arriver en métal, les gars. Oui. Ah, ils ont le top. Ouais, ils sont dans les vidéos. Ils sont tous. Ça va? Ouvrez pas la porte, sinon j'ai derrière. Quoi, tu vas en métal? Ah, mais ils sont là, ils ont arrêté, c'est. Ils étaient tous armés pour le coup. Il y avait pas de panique. Si, il y en avait 4 en bas, ils campaient les portes au DB et au NM. Il fallait s'en douter. La team N26 n'a pas attendu très longtemps avant de nous raid et de grief notre base. On retourne donc à la case départ. Fin bon, on est nombreux et on va très rapidement revenir dans le game. Notre mission est très simple. Build un peu plus loin pour récolter une quinzaine de tac-tac, des armes et dégrief notre base pour repartir de l'avant. On compte se venger, mais pour ça, va falloir être déterminé. Et c'est déjà le cas. Ça se prend par contre. Pourquoi il a pas été loot?
fuck? Il va galérer à monter, Ils sont dedans. C'est normal d'être plus rapide qu'une voiture? C'est normal d'être plus rapide qu'une voiture ou pas? Je suis plus rapide qu'une voiture, mais... No way. Attendez, il me faut des trucs. Attends, mais je suis plus rapide qu'une voiture. Merde, tu sais pas quoi prendre. Ça, c'est important. Bon, on voiture Simone, les gars. J'ai désormais la caravane pour la team, et ça c'est plutôt essentiel. Plusieurs bases de farm avaient été build, et tout le monde mettait la main à la pâte pour vite réaliser notre mission. La mer était prise d'assaut pour amener un maximum de compos à la base, et je décide de rejoindre le groupe de farm pour ramener un max de minerais. On a une idée en tête, et on ne compte pas la lâcher. J'avais pas vu. Attends, tourne-toi. Oh non, c'est une catastrophe, gros. C'est quoi cette merde? J'adore, moi. Pourquoi il nous dit coco, hein? Derrière moi. Ah, il est full gear, lui. Il a un HP, héros, il est full gear. Il est mort. Il est dead, hein, il est dead, toi. Ouais. T'as un bed HP ou pas? Pas de. Oh, faites gaffe, hein. Prenez mon gear, qu'est-ce que c'est? J'ai pris de ton gear. Ok, j'arrive. Derrière, 280. Oh, tu l'as arraché, gros. Je suis mort, y'a. Tiens, j'ai pas le tir. Il est mort. T'as une arme ou pas? J'ai pas son arme, gros. J'ai la porte. Non, j'ai pas son arme. Tiens, j'ai une semi derrière. Ouais, moi, faut looter mon corps. T'es où toi? Vous avez loot tous les bodies là à côté de la base? Ah non, ici, canon là. Y'a, me donne une sœur. Tiens. Y'a le mec qui est mort, les gars. Ouais, putain. Il décale pas quand je veux. Il est mort. Pas de poche, lui. Y'a du minerai encore, je vais monter. Une heure après notre premier raid subi, la cohésion se formait petit à petit et notre base de farm commença à être bien full. Le moment pour nous de subir une nouvelle attaque qui cette fois-ci sera bien différente de la première. Chez nous dans notre team, il y a Oxygen, il y a Ravos. Attends, je me fais un verrou, Ça arrive là. Est-ce que vous êtes derrière un rôle, vous? De votre côté, à vous? On va staker, je pense. Vous êtes prêts à ouvrir, les gars? Vas-y, vas-y. 3, 2, 1, go. J'ouvre. Je sais pas où vous êtes, les gars. C'est bon, j'ai refermé. J'ai une porte. Vas-y, go, oui. Porte de garage direct. On va prendre celle-là, direct. Y'a un mort dans les walls. Un mort. Garde la ligne dans les walls, y'en a qui touchent. Les gars, pour ceux qui sont pas groupe, je suis en full noir. Hein. Si jamais me tirez pas dessus, full panneau noir. J'ai rien d'extrait. Oui, ok, je te vois. Ah mais putain, c'est vous qui m'avez buté. Un mort. Spara les gars, spara, vocal. Bien joué, ils sont. Sautez tout le monde. Cette fois-ci, ce sont les ZAN qui avaient tenté de nous raid. D'ailleurs, je les avais fight quelques minutes plus tôt.
Puis après cet enchaînement de défense, farm et rigolade, on devait obligatoirement dégriefer notre base au plus vite pour enfin avancer. On décide donc d'y aller assez discrètement pour ne pas éveiller les soupçons et rapidement reprendre notre base. Ouais, comme les dégâts, ça ressemble. Allez les gens, nous on y va. On vous dit bonne nuit à demain. Bonne nuit. Allez, bon courage. Non, elle est là, les gars. Attends, eh bah, je crois qu'elle est. Non, elle est où la T0? Elle est là. Elle est là, la pute. Oh la pute. Attends. Vas-y, je me fais un kill. Je vais aller faire tout ça là. Je vais aller craper tout ça à la base. Ouais. Allez, nous on s'occupe de continuer à attaquer les brandes. Il a l'inté. Yep. Et bah, nickel. Oh, il a un inventaire de. Oh, il a. C'est toi qui es là? Vas-y, je suis derrière toi. C'est eux, un gros bug. Barre-toi. C'est moi qui est là. T'as une semi, c'est good? Ouais, j'ai ça M30. T'as des balles ou pas? J'ai jeté tes balles de DB. Ah, j'ai pas vu. On est 4 et les 4 sont là. Ah, dans le bon chat, non? Otto, je l'ai kill, va voir en 120. Wesh. Et j'ai un tac-tac et tout sur moi. 148 HQ, gros. Bah, tiens, les guns. Il en faut juste deux en vrai, juste deux. Ok, voilà, bah on a. C'est quand même on les a les deux. Ouais, il est venu avec des seringues en plus. Oh, du coup, bon. T'as des zolos pour les taka ou pas? Non. Fais moi le piston là-bas. Un petit coup encore, gros. Encore? Il a une torche ou pas? Non. Inch'Allah. Je suis en haut. On m'a pas là? Je me casse de là, frère. Et bouge-moi! Vite. Allez, pas loc. Vous avez pris craft des TCX? T'inquiète, stresse pas. Oh bah non, je stresse pas tout. Allez, vas-y, les gars, couvrez-moi, je bute. À partir de ce moment, on ne devait plus perdre de temps. Les C4 ont pété et ils peuvent désormais arriver à tout moment pour nous re-raid. Le compound et les portes sont posées, sauf qu'au même moment. On se fait raid, les gars. Les gars, arrêtez de tac-tac. On se fait taper. Sexté, je crois. Ils ont pété compound. Il va. Y'a pas une arme dans la base. Oh mec. Il faut un plan marteau vite. Ils sont dans compound. Une griffe. Hein? Du coup, derrière la base, on sneak un. Un full dead, un full. Ah, pardon, excuse-moi, mais j'ai. J'en ai un full dead, hein. C'est ouvert, la roue. Ils vont ouvrir la TC, hein. Y'a les shotguns, je suis arrivé aussi. Ils prennent full shotgun. Non, c'est moi. Ça revient. Vous avez vidé la TC? Ah, non, on a pas eu. Alex T. Full dead. J'en tue 3 les gars, Un dead. Un dead encore. GG. J'ai prenez Zaka. Persil. Je suis dead, j'ai un je reste. Allez les gars, moins 4. Allez. J'ai du CD. Merde, c'est ton stuff, ça revient de merde. Ouais, m'en fous, loot. M'en fous. S'en fout les gars, ouais. Ils sont dead, hein, ils sont tous dead. Ah si, ils sont tous dead de loot. Yo. Là, c'est retil, hein. Si c'est all dead, remettez un wall. Je sais pas si c'est. Ça revient à droite, zéro. Canon. Mais mettez un wall, les gars. Je vais remettre un wall. Moi, j'ai pas la TC. Tire de la pierre. J'ai 2 minutes de cooldown. Va, re-seal. J'ai 2 minutes de cooldown pour les gars. Attends, j'ai re-seal. Je suis mort. Pour tour, arrêtez de looter. Il est mort. Pour la deuxième fois par la team N26 et la troisième fois dans ce wipe, on se fait raid mais cette fois-ci ça ne passe pas. Victoire importante dans notre conquête de revanche. Mais pas le temps de se reposer. Notre base farm subit un deuxième raid et encore une fois, réalisé par les Z1N. Oh mais j'ai pas d'armes, je m'en suis. Mais ouais, y'a rien du tout. Go. T'as de quoi me relever Théo à travers? Mais ils ont trop le seum parce qu'ils peuvent pas passer avec. Vas-y, ouvre Théo, tu peux. Tu peux refermer et relève-moi s'il te plaît.
reste. Ah, il faut vite transférer. Hein. Transférer ici, transférer ici, dans, où il y a Théo dans le sas. Ils vont péter, hein, par contre. Tu joues Théo, fais gaffe, garde la ligne. Mais non, les gars, ouais, oh, j'ai une technique, je sais ce que je vais faire. Ils sont 4 ou 5 à l'extérieur. Alors que c'est pas. Oh, j'ai carré. 1, 2, 3. C'est bon, c'est bon, j'ai où, les gars. J'ai mis une porte de garage. Ils sont 5, 5. Le mec AK, il est où là? Il est sur ma pose de vie. Ah non. Un mort. J'ai tué. Oh, le mec qui campait ici. Oh, il s'est pris un turn là derrière encore. Y'a l'AK dans les walls, tu vois? AK devant. AK dans les walls. J'ai un lance-roquette. Attends, j'ai un lance-roquette. AK a pris un hit encore. Bon, la veille était vraiment intense, et je vous préviens, cette nouvelle journée risque d'être pleine d'émotions à coup sûr. Mais j'ai quelques précisions à vous donner. Notre base dans la neige avait été raide dans la nuit, donc on décide de partir sur une starter que l'on évoluera au fur et à mesure du wipe. Pour les compos, une base iceberg sera nécessaire, et je vais m'en charger. On va reprendre le rig, et vu le monde sur place, ça risque d'être incroyable. Oh, il faut juste la rouge, what the fuck. Il manque juste la carte rouge en fait. Oh nice. Let's fucking go! The fuck? Oh non. Oh shit.
Il est où lui? Ok, encore un mort. Non, ils sont trop, frère. C'est acté. Je vais jouer LOL Rig. Objectif, faire le rap pour récupérer un maximum de stuff, compo et armes pour aider mes mates un maximum. Je construis très rapidement une base iceberg pour être au plus proche de cette oil. Et ma mission peut enfin commencer. C'est le jeu, hein. Tu sais, si je suis venu d'un timing où bah, on n'était pas beaucoup, puis voilà. Hein. Oh, j'ai chopé une Tommy dans le... Un stuff Tommy dans l'eau, what the fuck. Dans une grosse caisse? Non, il y avait Ball Enjoyer et il y avait son stuff qui était au sol. C'est un grabarno lui. Je vais aller le déposer. Les gars, sur full farm, il y a une grosse base, elle s'est fait ouvrir en deux. Et il y a rien autour. Tu veux dire. Oh, AK Bolt. Et l'oeil, les gars, je vous jure, c'est de la folie. Non, mais non. On n'avait pas dit AK Bolt, hein. tu me lâches un des deux. Gros, je nage par terre, je vois des corps. À l'oil, je loot, il y a des mocs AK Bolt partout, frère. What the fuck? Mais c'est deux fois déjà. Hein. C'est tout à l'heure, c'est comme ça que j'ai fait un clutch à l'oil. Hein. Alors, AK Bolt gratuit. Attends les gars, deux secondes. Moi qu'il ait un stuff bleu. SG. Il veut bien ça. Et la tour elle tombe là? Je l'ai tué. Hugo il est mort. Je l'ai eu en cooldown, je suis en cooldown. Théo. Ouais, j'ai un tac-tac. Oh, SG encore. Bah non, c'est mon tac-tac à moi. J'ai sorti tac-tac. Mais j'en ai pas, j'en ai 4. Non, mais il y en a 4 dans la. Ah, ok, vas-y, bah moi je vais la mettre dans ma base en haut. Tout semblait très bien commencer pour nous. Du loot récupéré dans la mer, du farm récupéré sur différentes teams autour de ma base de farm. Donc on va continuer comme ça. Top iceberg, y'en a un. On est kill un. Il est au niveau du wall.
C'est toi en bas, hein. En bas de l'iceberg. Putain, il s'est relevé du coup. Fini. Y'a un mec, y'en a un qui monte. C'est toi la smat bleue? Non, gros, je suis dans ma base. Ok, bah y'en a un qui monte sur la, dans l'iceberg là. Au niveau du coup. Encore un mort. Encore un mort à K. Moins 3. C'est toi le meilleur. Moins 3, les gars, j'ai full. C'est qui met le rat? Le rat de l'Olrig. Je suis pas tapé par les SG là, je comprends pas. Je crois pas qu'ils étaient plus que 3. Hein. Après, ils ont l'air d'être stuff un peu. Oh! C'est 4, c'est pas notre base? Non. Non. Ils étaient tous à ce matin, je crois. Ça fait saigner les pieds. Hein, c'est oh, AK, il y en a un qui était AK quand même. Hein. Ah ouais, A, un K, un Tommy, un Semi, je crois. Tu as deux doigts déjà à la AK, là, il est pour le tuer, le bouge. Il y a un mec top instant. Solo c'est bien, mais deux rats à l'Olrig c'est encore mieux. J'améliore un minimum ma base au cas où un raid devait avoir lieu, et on part à la conquête de cet Olrig. Je peux te boost là où je suis, au moins tu le vois à travers. Il est symbolique à toi. Il fait que je me jette. Il a un full lourd. Hein. Faut que t'enlèves ton mouillé sinon tu vas rien voir. C'est qui l'a fait en douillette? Allez, PV25. Il est sur Historia Ulong. Oui, il lance en tête. Tu as tué double hit. Ah, t'es mort? Non, je suis là. Mais je les joue pas pour le moment, moi. Ils savent pas que je suis là. Là, il est foutu. C'est lui, j'ai tout. Ah, c'est lui. Ah, bah, il est gratte comme un. Oh, il gratte comme un loutine. Moi, c'était un bidon, du coup, tu vois, depuis tout à l'heure. Mais je te regarde, il y en a pas un autre, quand même. Non, c'est lui, c'est sûr. En fait, l'Olrig c'est free, hein. Bah oui, je vous ai dit, c'est pour ça que je veux build à côté, moi. Non, je pense que c'est orange, t'es où, c'est orange. Depuis tout à l'heure, au pire, Zabda, il a un pattern 2-3-3, il va build. Ah ouais. Toujours, ouais. Sortir son zob du cul, là. Orange, ils ont une box de pierre. Non, mais ouais, une box ennemie. C'est ça enfin, bah, on a plus de builder, en fait. Bah, je peux build, hein. Bah, tout le monde sort, je vais boire la paix. Build une starter, c'est tout le monde peut le faire. Non, comme ça, en 1h30, 2h, c'est fait. Hein. Ça, je vois pas là où elle est. Là. Bon, j'ai mis le bateau. Je fais vite fait la T2 avant. C'est que j'ai 10 minutes, elle est raide. Hein, vraiment. Non, bah, elle est là depuis. Mais mec, tu sais que je fais le rat depuis 2h là. Hein. Depuis 2h, je fais des allers-retours à l'œil. Tu viendras pas chialer quand tu seras raide. Ça serait bien fait pour ta gueule, je t'aurais prévenu. Zabda m'a prévenu. C'est noté. On décide tout de même d'aller à l'Olrig pour continuer notre petite progression. Et vous allez voir que tout n'était pas faux dans la prévention de Zabda. Non, mais il est parce qu'il est pas dans la team, moi. Ils étaient deux. Oh, ils m'ont fait peur. Et tu mères avant? Encore un, c'est toi? Oh, mais mini, non, il y a un mini, gros. Je suis fou, je crois, j'ai sauté, gros. Bah oui, c'est pas plus aussi. Je les joue, on a un mini gratuit, gros. On a un mini gratuit. On a lance-roquette. Et je joue lance-roquette, bas les couilles, gros. Oh, le c'est toi qui monté? Je suis monté, j'étais trop. T'as vu? Ouais, mais bon. Là... T'es où, MX? S'il te plaît. Tu es en bas, en dessous, toi. Non. Il dégaine. Il dégoupille. Non, joue à la K. Ils sont où? Top, T3. H? Étage 3. Bah, je sais pas, non, ils sont pas. Il y en a un qui est couru par la flamme. Mais quoi? Et moi, je vais? Non, il est double lance-roquette. Moi, je l'ai tué. T'es mort, toi? Reste un. Non, mais c'est Mix qui t'a tiré dessus. Non, il y a eu deux HV, gros. Moi, j'ai tué un mec. Ah oui, sur le H, faut le dire.
Faut essayer de la jouer. Au fond du H, il est au fond. Essaye de le décaler, je... essaye de monter, je vais le jouer. Non, mais on va le décaler. Prends la fois en sautant, prends la fois en sautant. 2, 1, go. Faut que tu le tues, gros, j'y ai. Bien joué, vas-y, bah prends mon inventaire, prends mon inventaire. Ouais, je suis mort. Prends mon inventaire, prends l'hélico. Prends mon inventaire, prends l'hélico et reviens vite. Prends juste mon inventaire. Et on repart direct, vu que tu poses sur l'iceberg. Bien joué. Tu vois pas. Oh, oh non, ma base, viens, viens. Oh non. Non, maman, ma base, elle a pas de. Drop-moi ton lance-roquette. Vous crachez l'hélico, hein, vous en battez les couilles. Vite. Ma base, maman. Maman, la gueule est. Elle va rien faire, ta main. Vole bien haut là. Non, mais gros, je vais leur sauter. Oh, ton stuff. Ton stuff dans l'eau, t'es un. Je m'en fous. Je vole pas haut, hein, je leur fonce dessus. Gros. Ils se croient chez leur mère ou quoi. Il a 93 HP, il va exploser. Fais attention. 193. Je me pose sur le top de notre base. M'a tué. Ouais. Sur le top. Ah bah ouais, c'est les mêmes. Bah non, c'est même pas. Nous coup 33-10, c'est oh, des français. Oh, mais c'est des fils de pute. Ouais, c'est les mecs de d'hier. C'est N26, gros, c'est qu'une en raid, gros. Je te jure qu'eux, ils ont quelque chose. Okay. Oh non, ils sont derrière, Prends tout ce qu'il y a là. Rire tôt, hein. Prends tout ce qu'il y a dans les coffres. J'ai fermé les portes de garage. Hein. Ok, on était loin, mais il me faut du bois pour la tisser. Bravo et tout, vous êtes en partie. Faut te faire poser une TC, gros. La prochaine enquête, forcément. T'es pour faire une TC, j'ai pas assez pour faire. Il manque 52 bois, t'as pas 52 bois par hasard? J'ai 0 de bois. Par contre, t'as des AGV sur moi? J'en ai sur moi un peu là. T'as des AGV sur toi? Une. Bah, j'ai mon sur le lance-roquette, quoi. T'as une arme ou pas? Ouais. Héreux. Attends, mais je viens, je vous blâche, je sais pas s'ils ont accès là. Ah, pété, ouvre à gauche. Ah, je sais pas en fait. J'ai pas le VP. Bah, y'a pas de dégâts, je pense que tu peux ouvrir. Prends pas de dégâts. Mon viseur est à droite, ça va péter à droite. C'était un faux petit viseur ou pas, Robin? Ça va péter pas. Les gars, ça veut dire pas qu'on prenne un mini qu'on va les aider? Non, c'était pas un faux petit. T'es où? Pour les aider, mec, on a une famille. T'as pas une porte de garage, un truc? J'ai touché. Ferme. Faut que je tente un truc. Là, normalement, on peut ouvrir aussi. Faut que tu tentes. Toi, tu vas sortir full lourd. Je sais ce que j'ai. Non! Ah, ok, tu m'as fait peur. Je vais tenter un truc, moi, ok? Faut que toi. Tiens, attends. Faut que toi, tu. Attends, putain, j'ai un bug. Ok, laisse tomber. Viens. Attends. J'ai un bug. Non, reprends. Il pète. Faut aller dans le chat. Ah, mais il y en a encore une. Mais non, il faut tenter. Ok, vas-y, bah tente de l'autre côté, toi, je vais tenter là. Qui c'est qui est? On a branché tout le monde. Mini, pourquoi? Bah, on va aller avec eux, enfin. Vas-y, passer vas-y. Fishing. Hein? Ah, non, je l'ai fermé, non, il en restait à l'intérieur! Oh, j'ai fait un place, gros. J'ai réussi à refermer de l'autre côté. S'il y a pas de bois, ils peuvent pas ouvrir. Ok, ton arme, Six. Vite. Tiens. Six le premier, moi deuxième. Normalement, il a pas d'âge. Vas-y, derrière. Il est mort. Vous l'aviez pas touché, les gars, mon dieu. Bien joué, les gars. Moi, je l'ai mis, il tue. J'étais la semi, quoi. J'ai bien joué. Oh bah là, vous pouvez vous barrer vite. Non, mais totalement pas, je veux bien rester là, mon frère, il est fou quoi. Ils vont revenir vous ouvrir en deux, hein. Mais qu'ils reviennent, on est prêts, gros. Essayez de vous mettre un bête dans la base. Ouais, je vais vous mettre. J'arrive vers vous. Oh, heureusement que j'ai refermé ici. Les gars, ça remonte en bas. Ouais, mais attends, là je peux rien faire, là, je vais juste safe là. Ça remonte vers vous. J'ai juste safe là-bas. Incroyable, on finit par réussir cette défense qui était quasi impossible à remporter. Mais cette fois-ci, c'est un rappel et on doit vraiment l'améliorer. La team qui nous avait raid était toujours la même, celle qui nous avait early raid puis raid lors du rebuild, puis raid off durant la nuit. Ils ont un truc contre nous et il va falloir leur montrer que ce n'est pas si facile de nous raid. Donc à nous de s'en charger.
faut aller alimenter les fours ou pas? Non, mais. Je vais prendre tellement. Ah ouais, j'ai. Ah bah y'a les mecs, ils ont posé un 2-2, on l'a vu là. Normalement ici. Ouais, c'est bon, normalement elle passe. Attends, regarde, on est en stand et puis c'est bon. Et même avec du bois, c'est pas grave. Non, t'inquiète, pas besoin, pas besoin. Non. Fais gaffe, y'a un mini gros. Du coup oh, ça nous spawn. Oh bon, on est raid, faut vite qu'on se dépêche. Hein. Ah bah c'est une méthode pour faire un étage, ouais, je pense. Je vais faire l'étage. La sortie, je vais la faire ici. Pose la gate si tu peux. Ouais, je la mets ici. Là, des tourelles sur ce truc, ça serait trop fort. Hein. Mais bon. Tout d'abord, je prends pour l'instant. Ouais, tout est bien. Parfait. Ça joue là. Ok, il y a une descente, c'est bon, j'ai mis le... Tu peux mettre... attends, c'est bon, je vais le faire le G-code. Bah, de toute façon, là, ça sert d'aller farm, hein. Viens, on craft vite fait, on se prépare. Enfin, on va y aller farm, tu vois, mais juste... Ils pourront pas monter là, ils vont être obligés de C4. Je demande s'ils se posent en mini. Ouais, bah s'ils se posent en mini, ils sont dans la merde. Il te faut beaucoup plus de wool. Direct, hein. Une fois là-bas safe, on décide de faire une pause pour aller manger. Sauf qu'en revenant... Ils sont roquettes les gars. Ah il a mangé une HV dans la bouche. Il y a moins... Ils ont pas de bed après ça. Ouais c'est pour ça, faut que je dépêche, faut se dépêcher. J'ai plus de bed gros. Je sais pas non plus. Ouais ils sont bien. J'ai 230 secondes. T'as une ligne de mort. T'es lire les portes. Ils sont au moins 3 encore là. Ouais, 2-3 ouais. Après ça fight là. Y'a Helico qui arrive. Putain merde gros. Mais qu'est-ce que vous mettez à l'autre? Il y a un strapé les gars, c'est vous. Vous strapé les gars. J'ai tué Naka. J'ai deux morts de mort. Je les ai tous tués à l'inté. On arrive au mini. Pas le meilleur. Non, il en reste un. Encore une fois, la team N26 qui nous raid. Et cette fois-ci, on n'a rien pu faire. Étant FK au moment de l'attaque, il nous était impossible de se défendre. Mais bon, on décide de passer à autre chose et de laisser tomber cette base iceberg. Nos mates avaient bien avancé de leur côté et deux raids très rapides de nos voisins avaient eu lieu. On était en train de se relancer petit à petit et un très gros raid était en préparation. La base de farm des ZAN avait également été raid entre temps et on sait que l'on a une revanche à prendre contre eux. Du coup, mon objectif actuel est simple. Analyser un maximum nos voisins pour notre futur raid qui ne va pas tarder à avoir lieu. Thank you.
Ah, j'ai pas déchet. Il y a l'air de rien avoir dans leur base. Bon, ok, eux, ça sert littéralement à rien de les taper. Genre, vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont aussi peu de choses, de trucs, mais... grave bizarre. On va pas les taper, c'est sûr. Après avoir analysé nos voisins de fond en comble, je décide de passer jeter un coup d'œil un peu plus dans le nord, à un endroit où j'avais croisé pas mal de joueurs de la team 911. Allez, rentrez chez vous, mes PTDR. Ils sont en train de faire je sais pas quoi, frère. Elle a été raid 100% ici. Ils ont du lolo ? Ouais, ils ont du lolo ! 911 ! Pour qui lui? Ah! Ah! Oh, c'est folle! Bon, pour le coup, eux, je ne sais pas du tout si c'est leur base ou non, mais dans tous les cas, ça ne changera rien à la suite de notre wipe. En rentrant, la team N26 nous a fait une petite frayeur en buildant une tour de raid juste en face de chez nous. Finalement, ça n'en était pas une et on va enfin pouvoir se concentrer sur le raid le plus important du wipe, celui face au ZAN. Je vous le dis d'avance, il va nous falloir une organisation de folie pour y parvenir. L'objectif est clair, taper 3 de leurs TC pour pouvoir build une base de raid en face de chez eux. Ensuite, il faudra avancer pour pondre une deuxième base de raid, cette fois-ci beaucoup plus proche pour bloquer la reconstruction. Une fois les avoir épuisés, l'objectif sera de détruire l'ensemble de leurs tourelles pour au final commencer à les raid. Sur le papier c'est assez simple, mais la réalité va être tout autre.
Ah les gars, je peux pas. Je vais mettre la base faut péter devant là, faut péter devant. Ah, tire, tire sur la TC que tu veux que je pète, Théo. Celle-là, là. Celle-là et celle-là qu'il faudra en fait. Micro, micro, les gars. Et celle devant toi. Le builder, laquelle c'est qui builder. Tire, Théo, sur laquelle? Le builder, faut qu'il avance. Non. Qui build? C'est moi, j'arrive. Faut avancer. Je mets des walls devant. Mets des walls. T'es mis un wall. Je t'en remets un ou pas? Ouais. Doucement les films, on va en avoir besoin pour le raid. Reculez les gars. Je peux pas re-wall, gros. Arise. Mix, t'as les roquettes ou pas? Ouais, 6. Oh, je peux pas wall. Pas besoin. Trop proche. Ah, c'est juste plateforme. C'est le wall qui gêne? Ah ouais. Bah, roquette-le, c'est pas grave. Re-wall. C'est bon le wall. C'est de la HV. Des walls devant, les gars, si besoin. Je fasse quoi avec la roquette, ouais. Ah bah, c'est bon, en fait, j'ai pété un wall en pierre. Sinon, s'il y a une autre TC à péter, on peut la péter, mais pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait un peu. On n'a pas vraiment besoin en vrai. C'est un jouet? J'allais mettre mon bed. Faut mettre en prio là. Ça sort. J'attends pas assez le bol tiré là, les gars. Viens poser ton bed, Ains. Je sais pas si il a posé. Je l'ai déjà posé. Pas de wall, je peux pas avancer moi. J'ai plus le temps de poser mon bed. Faut des mecs en cover, les gars. On est plutôt propre là. S'il y a une TC à péter, je peux la péter, mais ça m'a l'air d'être ok là au niveau des walls. Là. On est trop dans la base, les gars. Ils sont où les coffres? Bah, même pour la cover devant. J'arrive pour les coffres. On est que deux à prendre l'info. Tête dans la tour. Attendez, je vais doubler ces quatre là. Regardez bien les lignes. Je vais voir si à l'intérieur on a une TC à prendre. Alors, je te mets ton vrai bed. Ouais, merci, mec. Bon, on finit encore. Il y a une TC devant, ça va coûter cher à péter. J'ai pété exactement où il y a une TC à prendre, mais il faut plus de roquettes. J'ai 4 roquettes, ouais. Ah, on a pas assez. Regardez, ouais, là, ça commence à envoyer des vrais. Non, la gueule, fait son body. Ça me dit de voir, ouais, c'est de la basique, hein. Ouais, voilà. C'est de la basique. Arrête de voir aussi et tout, ouais. C'est gauche de la base. Hein. Est-ce qu'on a tout, on a mis un Théo devant ou pas? Pour savoir si on peut y tomber notre devant de base de raid. Théo, en gros, il y a des walls devant, mais enfin, non, il y a un wall. Ouais, il y a des walls, mais. Ouais, il faut y tomber en fait devant. Bah, il y en a qui viennent poser des walls en pierre, mais c'est pas ça qui va gêner, je pense. Bah, ouais, en fait, je peux pas. Un mort dehors. Venez looter le corps, les gars. Enfin, regardez, je crois que c'était toi, Mix. Mix, t'as pas de wall. J'en ai banqué un, moi, en fait. Bah, Théo, c'est ou pas? C'est sorti à gauche. J'ai manqué une AK aussi là. Il va falloir me refaire des coffres là, je vais emmener les roquettes. Les gars qui sortent de. Tu peux kill avec toi ou pas du coup? Je peux barrer la gate à gauche. Kill toi avec Théo, kill toi avec Théo. Qui s'occupe des coffres? Vas-y, j'en recrape. Et pareil, n'hésitez pas à wall derrière nous. Ça peut arriver de l'autre derrière. Comme expliqué sur le plan,
L'objectif est désormais de build une deuxième tour pour avancer petit à petit en prenant le contrôle. Cependant, ils utilisaient énormément de roquettes pour se défendre et vont détruire systématiquement nos tours. On change donc de plan. L'objectif désormais est de les épuiser un maximum pour ensuite les terminer. Un wounded ? Mort à droite ? À gauche, on peut là, on prend le contrôle. Ah, à gauche. Et c'est simple, les gars. A chaque fois qu'on kill un mec, oh, excuse-moi, à chaque fois qu'on kill un mec, on rentre tout seul à la base, s'il vous plaît. Quel endroit, regardez le placard. Les deux à gauche, Mix, quand tu sors. Rentrez la box d'armes. Il est mort, le Lazmat. Non, mais il y a la tourelle devant. Il y a la tourelle devant. Mais c'est la dernière qui a, ça va pas sur le. J'ai le top, moi. Les gars, je suis bien, moi, en vrai, je vais pouvoir vous aider. Oui, mais ils sont bug en l'air, en fait. Non, non, non. Ah, mais il est à défaut. Il est sur son toit là, le premier toit qu'on a pété. Les gars, il y a deux morts à droite, il y en a un. Ouais, deux morts à droite, ouais. Ils arrivent. Je l'ai touché, j'ai tué devant. Ils sont en train de péter nouveau là. Les gars, ouais. Ah, c'est moi qui a joué. Un mort. Encore un mort. Non. Sur mon coin, il y avait pas de mort. Deux morts. Il y a 6 sparings dans la base que j'ai manqué. Ça prend que les stuff. C'est ça le dingue. Oh là là, on met sur le bac. Elle va le bac, vas-y. Il y en a un contact, hein. Il va me loot. Continue le mec à gauche, c'est bon. Il sort naked, hein. Je vous jure qu'on peut reprendre position. Je vous jure. Ouais, mais bourré, t'as peur, ouais. Ouais, on est trop bien. J'ai repris la tour, venez. Et tu sais quoi, je vais m'occuper de la tour, moi. Une fois le contrôle repris, la tour enfin safe et les tourelles du Shine a détruites, mais Mate avait enfin pu prendre possession des fenêtres de nos ennemis. Et comme expliqué sur le plan, une fois qu'ils sont épuisés, il ne reste plus qu'à les anéantir. C'est les bêtes de la main. On m'a poussé dedans, gros. C'est bon, là. Mort au top, mort plus dedans. Ok, j'ai plus de roquettes à prendre. T'es où? T'es dans la main. Vas-y, mets une échelle dans la main. Une échelle, s'il vous plaît. J'ai chopé une échelle. Voilà, mon frère. Jette sur Gugo. Ouais, je suis juste au-dessus de toi. C'est bon. Go. Y'a quoi à péter, vas-y, je pète tout. Je décoffre les bêtes en premier. Allez, pas sur les bêtes. Oh, décalez, j'ai roquettes. Je suis pas. Pas d'accord dans la base. Il y a un autre. J'ai 5 sur le toit. Ah mais je l'ai tué. Gugu, le mec, il me tue. J'ai tué le mec à l'arrière. Moi, y'a personne. Y'a full bed. Montez. Gugu, il est tout seul au-dessus des beds. À tout moment, il meurt, il perd beaucoup. S'il vous plaît, montez. Et c'est des putains de merde. Peut-être encore. Il est à la casse, bâtard. Il a une arme. Il a tout. On axe le pick down, les gars. En dessous. Décale, Gugo. Monte sur ma tête. Je vois une circle.
comment on ressort pour banque? Du bas, il faut que tu sautes en bas et tu remontes à 12 échelles. Ah oui, là, hop. T'as des bêtes dans leur main aussi, hein. J'ai 600 ouais, échelles. Ah, y'a des. Y'a pas de cavale avec des balles. Oh, tous les deux. Mort la quai en bas à gauche. Ah, je peux pas la loot, y'a une toile. La toile là à gauche, tu peux la péter ou pas? Attends, j'ai chopé la relève. J'ai mis leur staff en bas, c'est pas possible. J'ai pas d'armes, mais j'ai beaucoup de chance. Les gars, venez, viens. Shady, viens, s'il te plaît. Ici. Il faut un mec qui aille checker ce que. Bah, il va loot son AK à gauche. Oui, oui, j'ai les roquettes. Ouais, j'ai plus ligne de roquettes. Avec Snowden, on a marqué un coffre de compo là. Ouais, mais ah, tac-tac, elle a pas du filet les balles. Hein. Ah, elle est belle, moi j'ai plus de balles. Ah oui, y'en a déjà pas beaucoup. Hein. Gaffe, mais je peux même pas tirer dans les zéros dans mon entrée. Ouais, c'est 90. Ouais, c'est la dégâts dans les bêtes. Y'a un mec qui m'a tué, Bah non, j'ai juste dans les pics, juste en dessous. Ça vaut une part d'archer. Dead. Oh là là, ce qu'il vient de prendre lui. Voilà, Youm, montre l'heure. Un triple achète, comme on dit. Et je c'est un bonus, madame, pour faudrait lui. Faudrait péter la porte en fait. Oui, oui, oui. Il s'est battu. On a testé, les gars. Décale, Shady. Let's go. Ça, c'est. Tyson, il y a ton corps, toujours. Ouais, j'arrive. Tout simplement incroyable. Ça ne se voit peut-être pas, mais ce raid a littéralement duré 3 heures. Je vous invite donc, pour ceux qui le souhaitent, à regarder la rediffusion qui se trouve sur mon Twitch. C'est un raid où l'on a dû improviser tout au long de l'assaut, car je ne vous l'ai pas dit, mais on s'est fait extrêmement streamhack, mais on ne va pas leur donner d'importance. Le principal est que l'on a remporté ce raid, et j'espère vous avoir fait kiffer. Sur ce, notre revanche a été prise, et on peut s'en aller la tête haute. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Pensez à la liker et à vous abonner. C'était Raven. Ciao ciao.